Salut à toutes et à tous, mes minettes. Et bienvenue en enfer avec Hellier, la fureur du lapin mort. Oui, on parle de lapin ici sur une chaîne qui se veut être féline, hein, ouais. Et alors, c'est la. Comment dire? C'est la diversité, c'est tout ce qu'on aime. Donc, alors j'ai commencé une partie pour faire le niveau 1 de ce jeu. Et franchement, c'est le. Comment dire? C'est une. Bah, c'est un truc que j'ai jamais vu. C'est diversifié en termes de jeu. Donc, je vais adorer, je pense. En espérant que vous aussi, vous adorerez ce let's play. Alors, juste une chose, je vais baisser un peu le son du jeu. Et je vais voir si je tourne normalement. Voilà. Est-ce que ça tourne? Oui, ça tourne. Alors, on va pouvoir faire une nouvelle partie. Toute progression sera permise. Commencez une nouvelle partie. Le roi lapin dirigeait le royaume d'une main de fer. Mais même en enfer, personne n'est éternel. À la mort du roi, son fils H prend la relève. Esclavage, tyrannie, ah la belle vie. Mais le prince H a une passion cachée pour les petits canards. Surtout Duc Cator, qui est si doux, si... Merde, un paparazzi. Scandale, on retrouve toutes les photos sur Internet. Si tout le monde voit les photos, c'est la fin. Sans monstre, il n'y a qu'à tous les défoncer. Vengeance. Ce qui n'est pas trop mon cas, mais je vais être à fond dans ce let's play. Hein. Donc à fond dans le personnage. Qui n'est pas de mon caractère, mais je vais essayer pour la narration d'y être. Enfin, d'y faire hommage, un truc comme ça. Cet ascenseur ne va nulle part. Où sont passés mes serviteurs? En train de mater mes photos, je m'en vais les calmer. Sauf que j'ai oublié mes armes. Évitons les combats pour l'instant. Ok. Alors, on contrôle H, hein, qui est un lapin aux abords plutôt mignon comme ça, mais qui se veut être un punaise. Enfin, c'est un peu le maître des enfers, en fait, hein, dans le jeu. Un punaise de gros combattants. Hein, donc, je sais pas ce qu'on en pensait des développeurs quand ils se sont dit un lapin c'est pas mignon en fait, hein, on va faire en sorte que dans un jeu on va tout décribiliser la kawaiitude d'un lapin pour en faire un jeu comme ça, même si de prime abord le jeu, même s'il se passe en enfer, a des graphismes plutôt chatoyants, moi je trouve ça plutôt mignon. Donc voilà, on se trouve en enfer, hein, pour continuer à jouer à ce jeu. Oula, alors. Pourquoi j'ai glissé tout seul? Alors, ici, là-bas. Ah oui, c'est vrai. Mince, j'oubliais que j'avais pas d'armes. Ah ouais, il marche sur la lave au calme, hein, quand même. Hein. Donc, c'est plutôt badass. Bon, il faudrait peut-être que j'arrête de me prendre des dégâts de manière... De manière un peu, bah voilà quoi, parce que là, c'est un peu... C'est un peu que le début du jeu, si je veux prendre déjà des dégâts, bah voilà quoi. Ça va pas trop. Hey, Nestor, mon petit serviteur adoré. Enfin, un visage familier. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Vous avez complètement dégrisé. Vérifions avec un test de sobriété. Savez-vous dézoomer? Bien sûr que je sais. Je suis le prince des enfers, mec. Donc, comment on dézoome déjà? Appuyez sur RB pour le dézoomer. Enfin, pour le zoom, monsieur. Aussi prétentieux que son père, c'est pas gagné. RB. D'accord. Mais à quoi me servira le zoom et le dézoom là-dessus? Dans ce jeu comme ça, je sais pas à quoi ça me servira, mais bon. Je vais rien dire parce que peut-être que ça me servira à quelque chose. Ok, alors on est tombé de très haut.
sais plus à quel moment du jeu je me suis arrêté. Mais je pense que j'avais même pas débloqué la première arme. Ouais, je pense que je m'étais arrêté là. Ah ah, le prince est à poil. Hein, quoi, pardon? Qui ose? T'es à poil et tu peux pas me toucher. Je suis derrière un mur. Les murs, ça se casse. Comme ta gueule, d'ailleurs. Je vais revenir. Ouais, son langage n'est vraiment pas comme... Bah, comme moi, j'aime parler, mais bon, il va falloir que... Bah, les développeurs se sont quand même cassé les fesses pour nous pondre un jeu aussi bien, donc je vais quand même essayer de faire en sorte de les respecter là-dessus. Est-ce que je dois passer par là? On dirait, oui. Ok. On va pouvoir donc continuer notre avancée. Eh hey Nestor, un autre didacticiel relou à expliquer? Sérieux. Non monsieur, mais j'ai un cadeau j'ai un cadeau de feu de votre père. What? Non c'est... Non monsieur, mais j'ai un cadeau de feu votre père. Vous saviez qu'il avait une passion pour les jetpacks tranchants. Dis-moi que c'est un truc pour défoncer des monstres, j'adore ça. Encore mieux, ça brise les murs et les ennemis avec RT, LS. Allez-y, jackpack ta bloc. Ok. C'est parti pour la... Bah pour la castagne. Ouais, c'est vrai que c'est plutôt classe comme arme, hein. Ça fait le travail. Ouais, c'est plutôt bien trouvé. Mais bon, là, dès le début, c'est assez... comment dire? C'est assez bizarre. Mais bon, il y aura peut-être d'autres choses dans ce jeu, donc on va pas se plaindre de ça. On a trouvé une gemme. Ok. On prend tout ce qu'il y a dans les niveaux. D'accord. Arrête pas d'appuyer sur O. What? Attends, c'est quoi ça? C'est un finish? Wait. Ok. Bon bah, continuons la suite. D'accord. Maintenant on peut passer par là. Bon, y a des monstres de ce côté. Ok. Et encore plus. What? On dirait un jeu à la Wario Warink. Wait. D'accord. Le truc c'est que ça n'a pas touché les ennemis en face. C'est un peu bizarre. Allez, forer les monstres avec RT. What? Ok. D'accord. Bon bah, qui veut du steak? C'est cool, j'ai dégagé la voie. Ah, c'est pas une porte de l'enfer qui se nourrissent d'âmes. Je crois que je les aime bien. Ok. Les portes indiquent le nombre de monstres que je dois libérer. Après, j'espère qu'elles s'ouvriront. Un peu plus vite le dézoom, s'il te plaît. Ah, merci. Ok. C'est encore moi, monsieur. Puis-je présenter la fonction radar? Est-ce que... Et qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? J'ai l'air de vouloir chercher les 7 gouttes de cristal ou quoi? Ah, cette bonne vieille référence. Le radar vous indique où se trouvent les monstres. C'est très pratique, monsieur.
D'accord. Bon, évidemment, référence à Dragon Ball, hein, je vous apprends rien. Et allez. Je ne dois pas toucher. Les lapins et l'électricité font pas bon ménage. Je vais l'éviter pour le moment, je reviendrai. Ah mon dieu, comment il a peur aussi. Des ennemis balèzes, le shopping est la solution. Comment ça, les lapins et l'électricité font pas bon ménage, je veux te dire. Bah les chats non plus, hein. Ah par contre, il faut rester appuyé sur A pour... Miss Fontaine, je sais qui vous êtes, je coulerai toujours pour vous, oh mon prince. D'accord, donc un bain de sang, c'est plutôt original, hein. Qu'est-ce que c'est que ces trucs qui nous font bondir? Je pige pas trop. Bon, enfin bref, on va toujours continuer. Le niveau 1 n'est toujours pas fini après tout. Wait. Qu'est-ce qui m'a touché? Mais j'avais pas besoin de ça. Ok, 3 sur 6. Et ça c'est le boss. Ah oui, c'est lui qui m'a touché, d'accord. D'accord. Ok. C'est quand même badass tout ça, quand même. Alors, le shop. Ça doit être ça, non? Il y a des salles, il y a des prix et tout. Ouais, c'est ça, et puis... Évidemment. Lucky Jeep, hein? Hein, what? Même le shop est plutôt taré. Merci pour la tue. Ok. Steel Skater, ouais. Chapeau d'aventurier, ouais. D'accord. Avec le ticket à la fin. Lol. Alors, nouveau. Attends, comment on utilise déjà le missile? RT. Ah oui, c'est avec la visée, c'est vrai. Kiss ma hache. Sérieusement. Sans deck. Kiss ma hache. N'importe quoi. C'est d'un ouais que j'adore. Oula, par contre attendez. Ça tombe ces trucs? Attendez, ça tombe ces trucs? Ouais, je sais pas, en plus je peux pas les forer. Face au cerveau, j'utilise la force, mais de loin. Il n'y a pas de bien ou de mal à appuyer sur un bouton, hein. Enfin, ouais. D'accord. Quiz of doom.
Quelle est la durée de vie moyenne d'un lapin mort? What the fuck? What? DR? Ah la grosse connerie! D'accord. Ce jeu fait fort. Y a pas à dire. Tout c'est... Ah, impossible de fuir, de forêt, bye bye. Impossible de forêt, bye bye. Bah à mon avis, je pense que c'est la site départ, ça. On pourra pas tout forer avec. Ok. Je suppose que cette porte avec une bouche béante, c'est le boss. Défoncer les ennemis avec style. Et avec un stylet aussi. Ah la blague. Aïe, ça calme ces plafonds super bas. Quel débutant je fais. C'est une blague? Ça va, tu gères? Je vais bien, c'est cool de demander. Désolé, je suis stagiaire. Stagiaire boss? C'est pas courant. Moi, ce que je sais, c'est que je dois te battre pour continuer. C'est ballot, t'avais l'air sympa. Du coup, on se tape? Je veux mon neveu. Oh, attends, mes photos, tu les as? Chaud patate. Ok, le nom du boss. Des photos? Non, désolé. Je suis deg. Bon. Que la fête commence. Oh, je sais, je vais grogner pour faire peur. Mes amis disent que ma voix de boss fait flipper. Non, mais c'est quoi, sérieux? Cette connerie? Je tire dessus avec des missiles, non? Bah, ça lui fait pas très mal, mais au moins, bah... Au moins, bah ça fonctionne, quoi. Ouais. Ah, il y a plusieurs phases. Ah, bah, sympa, hein. Par contre, pourquoi il se téléporte plutôt que de tomber normalement? Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, d'accord. Je sais pas trop ce qu'il fait, mais bon, c'est pas grave. Voilà, où est-ce qu'il est? Bah, nouvelle phase, on dirait. Ok, bon bah, début de boss plutôt sympa. Alors. X pour entrer. What? C'était quoi ces machins? X pour entrer. RT. Ouais, t'es sérieux là? D'accord, je bats le boss comme ça. Wait. The fuck boom. D'accord. Collectif de la thune pour dépenser dans les shops. Ils sont blindés. What? Mouhaha, mon plan marche comme sur des roulettes. Pour l'instant. Attends, c'était quoi ça? D'accord. Donc comment ça, exit? Collecter de la thune pour dépenser dans les shops.
Le zazé est moins utile, ouais. Alors, nouveau niveau, j'ai l'impression. Donc, on va se laisser là pour cet épisode. Les minettes. N'hésitez pas à me faire savoir si le début de ce let's play vous plaît. Ainsi que cet épisode. N'hésitez pas à pousser également et à partager ce que vous avez visionné autour de vous. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, mes minots.